Au Chili, le hip-hop sert à résister. C'est une résistance socioculturelle. Le rap chilien est plus profond que le rap américain. Avec le hip-hop, on s'éclate, on partage et on picole. Santiago, capitale du Chili, coincé entre l'océan Pacifique et la cordillère des Andes, c'est le pays le plus riche d'Amérique latine. Bon élève du FMI, fidèle allié des États-Unis, les chiffres de sa croissance économique pourraient faire croire à la prospérité. Mais ce modèle que la dictature du général Augusto Pinochet a voulu libéral cache une autre réalité. Sur une population de 13 millions de Chiliens, un tiers vit en dessous du seuil de pauvreté. À Santiago, on retrouve ces laissés-pour-compte dans les poblaciones, les bidonvilles installées en périphérie de la ville, comme la Lega. Partout où on va, on dit qu'on fait partie du groupe Lega York. Celui qui aime, tant mieux. Celui qui n'aime pas, qu'il aille se faire foutre. Lulo tire le nom de son groupe du quartier où il a grandi, la Lega. Tous les week-ends, il se produit dans les concerts communaux de son quartier. Sur les murs, pas de guerre des gangs, mais des graffitis à la gloire des héros de la révolution et des photos des martyrs de la dictature. Historiquement, la Lega est le quartier résistant de Santiago, celui qui a pris les armes dès le 11 septembre 73, au premier jour du coup d'état de Pinochet. Quand le président Allende est mort en donnant sa vie pour le peuple, la première chose que Pinochet et ses enculés de marionnettes ont fait, c'était de bombarder la Lega. Ils disaient que c'était le bastion d'une résistance capable d'empêcher l'instauration de la dictature qu'ils voulaient mettre en place. Là où finit le drapeau, sur la gouttière, tu vois les petits trous? C'est les impacts des balles qui ont rebondi sur le mur et blessé mon grand-père à l'épaule. Le 11 septembre 1973, le général Pinochet renverse par un coup d'état militaire le président socialiste Salvador Allende, élu au suffrage universel. Derrière le putsch, la CIA américaine. Les partis politiques et les syndicats sont interdits et le Chili sombre dans la dictature. Elle provoque, selon les estimations, l'exil de 10% des Chiliens et l'emprisonnement de 400 000 personnes. Parmi elles, le chanteur et guitariste populaire Victor Jara. Proche du parti d'Allende, il est incarcéré dès le 11 septembre dans le stade de Santiago. Un militaire lui broie les mains à coups de crosse avant de l'assassiner froidement. Aujourd'hui, le martyr inspire une nouvelle génération de musiciens engagés comme Maquisa, l'un des collectifs hip-hop les plus en vue du Chili. Formé en 1996, il est composé exclusivement d'enfants d'exilés politiques revenus au pays après la chute de la dictature en 1989. La chanteuse de Maquisa, Anita, est née en France durant l'exil de ses parents. Revenue au Chili en 88, elle a 14 ans au retour de la démocratie. Mi padre era militar.
Mes parents étaient des militants de gauche. Ils sont partis du Chili physiquement très abîmés après être passés par plusieurs centres de torture. Beaucoup de leurs camarades avaient déjà été assassinés. On a senti que dans le Chili démocratique, il y avait un vide historique. Beaucoup de choses ont été trop rapidement oubliées jusqu'à aujourd'hui. Et on a une immense envie de s'exprimer sur ce sujet. Après la fin officielle de la dictature, le Chili n'en a pas fini avec ses démons. Protégés par des lois d'amnistie tricotées sur mesure, les anciens tortionnaires et leurs complices vivent au grand jour. Au nom du devoir de mémoire, les Funa les débusquent de leurs terriers en organisant des manifestations devant leur domicile. Pour les Chiliens, on a un peu vite tourné la page. Partout, les hommes de Pinochet restent aux commandes. Dans le hip-hop, il y a une sorte de dictature qui nous impose d'être comme ci ou comme ça. C'est seulement en faisant comme ils veulent que tu as du succès. Selon Tilo de Glacia, littéralement coup de grâce, les stars du hip-hop chilien, les médias veulent conserver l'ordre ancien. Pour passer sur les radios, ils ont mis de l'eau dans leur flow. La majorité des patrons de chaînes de télévision chiliennes sont des conservateurs, des pantins de l'Opus Dei et de l'extrême droite. Quand il y a quelqu'un venu des banlieues qui a du talent, même si ça fait un peu cliché de le dire, il le méprise. Tilo de Gracia est l'un des rares groupes de hip-hop à pouvoir s'offrir des clips à gros budget. Les autres, eux, sont confinés à l'underground. La réalité, c'est que ce que Pinochet a décidé pour nous, on est en train de le vivre. Précurseurs du hip-hop chilien, les membres du crew Panteras Negras se battent depuis 1984 contre le système Pinochet. Tous sont nés à Huamachuco, l'un des quartiers les plus pauvres de Santiago. Danseur de breakdance, fasciné par les Black Panthers américains dont ils tirent leur nom, il revendique les racines contestataires du hip-hop. Suelte don en rimaayuda.com Original estilo de la guama fundado del rap hardcore Este mi parte sigo yo Santiago retumba cuando un felino se mostró En sí mejor micrófono mensaje voz Chino chileno LB1 guerrillero Salimos al paso para disparar lo que sabemos On n'a pas de label ni de producteur qui nous soutient On se produit tout seul et parfois on n'a même pas assez d'argent pour prendre un putain de bus Mais dès qu'on en a on organise des concerts dans la rue Nos
Pour nous comme pour les autres, la seule façon de s'en sortir, c'est d'aller dans la rue, faire de la musique, l'écouter, danser et parler. Parce que la parole, c'est la tradition fondamentale des peuples latino-américains. À l'origine, ils n'avaient pas d'écriture. Ce que veut justement le système, c'est que les gens arrêtent de parler. Méfiants à l'égard du régime, les rappeurs chiliens n'essaient pas de singer le modèle américain, qu'ils estiment coupable des malheurs de l'Amérique latine. Censuré par MTV, le clip autoproduit du groupe El Clan raconte comment la police chilienne introduit la pasta basée, le crack local, dans les bidonvilles de Santiago. On utilise beaucoup de rythmes latinos dans notre musique. On est des vrais latinos, on ne chante pas en argot anglais. Je ne sais pas si on le fera un jour, mais si ça arrive, ça sera pour qu'ils comprennent nos insultes. Face à Santiago l'arrogante, les quartiers pauvres s'organisent. Il y a 4 mois, la famille de Lulo a adopté un couple de personnes âgées sans ressources. Cette solidarité-là, pour eux, c'est l'autre modèle chilien. On sait quelles sont nos origines, quel est notre horizon, et que l'ordre mondial n'est pas le bon. Et on espère que nos frères latino-américains se réveilleront pour former un grand bloc de résistance. Mandados por un viejo que ahora era la cana, reconoce mis errores, enfrenta la justicia porque te...